Yo Tayo, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit déj. J'espère que vous allez tous très bien et en plus aujourd'hui on se retrouve avec un petit déj un peu spécial puisque déjà c'est un booster assez rare, un booster Tempête Plasma à l'effigie de Simia Braz, mais en plus c'est pas moi qui l'ai acheté, il nous vient de Teddy qui me l'a offert pour mon anniversaire, également pour le cap des 20 000 abonnés. Alors franchement, tout ce fou d'époque, son lien s'affiche à l'image. Allez voir sa chaîne, faites-moi plaisir, il est super sympa avec moi, c'est un très bon ami, il me fait souvent des super prix, des super vente. Et voilà quoi, il m'a offert un petit booster pour mon anniversaire, c'est incontournable, je l'ouvre en petit déj aujourd'hui en votre compagnie. J'ai laissé le fond de l'agron parce que je trouve que les couleurs vont parfaitement avec Simia Braz, le booster bleu là de Tempête Plasma. Et j'espère qu'aujourd'hui on pourrait se choper le Dracaufeu Secrète parce qu'il n'arrête pas d'ouvrir des boosters Tempête Plasma en une quantité inimaginable. Il n'a jamais tiré le Dracaufeu Secret en vidéo. Moi je l'ai déjà tiré par le passé, je m'en souviens, je l'avais eu dans une ouverture de 8 boosters. Et si on l'obtenait aujourd'hui dans le booster qu'il m'offre, je pense qu'il ferait une crise cardiaque et ce serait vraiment très 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 drôle. Alors si on pouvait l'obtenir aujourd'hui dans ce petit booster juste pour le fun, ce serait drôle. Bon, je me moque un peu de toi Teddy, mais bon, ça serait énorme, hein, je pense que tu es d'accord avec moi. Alors, le dos d'un booster, le voici, le voilà, n'hésitez pas à faire pause, il ne peut y avoir de calme avant cette tempête. Allez, je vous propose de passer à l'ouverture de ce petit booster. Franchement, si on tire Dracaufeu Secret, là je ne comprendrai pas. Hein. J'ai vraiment pas de chance en ce moment au niveau des tirages. À part dans la Pokébox Junko, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi bon tirage. Mais si aujourd'hui je nous tirais ça, ce serait assez incroyable. Et pour être honnête, je n'y crois pas. Bon allez, on va redécouvrir ensemble des cartes de cette série qu'on n'a pas vues depuis fort longtemps. On commence avec un Tortipousse qui est au bout d'un immeuble. Là, on voit au loin le centre Pokémon qui est bien au fond. J'espère qu'il va pas sauter, qu'il n'est pas suicidaire. On continue ensuite avec un Doduo, un Carvana, un Togepi, un Cerebou, Fermite. Alors effectivement dans la série, puisqu'il y a le mot plasma, on retrouve des cartes assez spécifiques aux séries plasma du bloc noir et blanc. Vous le remarquez, les bords ne sont pas jaunes comme d'habitude, ils sont bleus pour représenter la couleur de la team plasma. Bon, Fermite en l'occurrence, c'est une fourmi mais très très résistante, je ne l'aime pas. On continue ensuite avec Sorboule, un Maracatchy, déjà la reverse, un Wistikram en commune reverse. Bon, c'est une petite reverse, pourquoi pas, il prend une liane. C'est un Pokémon feu, mais il s'amuse à jouer à Tarzan. J'espère qu'il va pas cramer la liane et qu'il va pas s'écraser quand même. Bon, on arrive à la meilleure carte. Est-ce qu'on va tirer la carte fatidique, hein? Allez, on va découvrir ça ensemble, c'est parti! Et non, il s'agira d'un Poilagriffe en rare. J'ai envie de dire pour changer, de toute façon en ce moment j'enchaîne les rares. Mais Poilagriffe est un Pokémon que j'avais pas vu depuis très très longtemps, un Pokémon Plasma, bon, sympa quand même. C'est pas un Pokémon qu'on retrouve beaucoup beaucoup dans le TCG Poilagriffe, hein, je crois. Hein. Franchement, regardez-le aujourd'hui parce que je pense pas qu'on le retirera un jour. Bon, bah Teddy, je pense que tu es sauvé, je n'ai pas eu le Dracaufeu secret. En tout cas, je te remercie pour ton cadeau d'anniversaire et pour ce petit déj vraiment offert gratuitement par tes soins. Ça m'a fait très très plaisir d'ouvrir un booster. Et voilà, je pense qu'on en a fini aujourd'hui avec ce petit déjeuner. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau petit déj, dans l'après-midi pour la Pokébox de l'Agron. Croisons les doigts pour une bonne pioche. Et jusque-là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à cet après-midi. Salut tout le monde!